Récemment, je suis allée chez Zara et j'ai voulu tester. Je teste souvent les parfums de chez Zara et je suis tombée sur ce parfum-là qui s'appelle Red Temptation, eau de parfum de chez Zara. Alors, je ne sais pas du tout en termes de composition, mais c'est un parfum floral, je pense, un peu, légèrement boisé. Il sent trop trop bon les gars. En fait, quand je sens ce parfum, je sens, en fait, je vois une femme parce que c'est un parfum très féminin en fait, très très féminin. Alors, je vais peut-être vous parler brièvement du parfum en termes de composition. Je sais pas, on a quoi. Alors, on a donc du safran, de la coriandre, de l'orange, du jasmin, effectivement j'ai senti du jasmin et enfin je sais pas, c'est tout je crois. En tout cas c'est un parfum floral, un peu légèrement boisé et musqué, mais il sent extrêmement bon. Il tient pas de ouf en même temps pour le prix. Là j'ai pris un 30 millilitres. Souvent, j'aime bien parce que j'aime changer de parfum régulièrement. Du coup, je prends toujours des petites bouteilles comme ça. Ouais, je me suis blessée là. Et du coup, il sent trop trop bon. Généralement, je le mets pour aller à la salle de sport. Je me parfume pour aller à la salle de sport. Moi, j'ai un parfum vraiment pour la salle de sport. J'ai un parfum pour les dates. J'ai un parfum pour la vie de tous les jours. Enfin. Disons pour aller au bureau, j'ai un parfum pour le soir et tout. Et celui-là, je l'utilise vraiment. Enfin, celui-ci, je l'utilise pour la salle de sport. Récemment, je crois que c'était sur Zalando, j'ai vu cette crème pour le corps. Parce que je passais une commande globale sur Zalando, j'achetais des vêtements en vrai. Et puis, j'ai vu cette marque-là qui est arrivée sur Zalando. Je me suis dit, allez, why not? Ça m'a parlé, c'est une crème pour le corps. Soufflé, c'est un soufflé de corps parfaite zen, c'est-à-dire que c'est un c'est disons que c'est à base, c'est une crème naturelle à base d'huile essentielle relaxante en fait, et c'est censé nous aider pour se détendre, pour dormir en fait. Disons, c'est censé favoriser le sommeil. Et j'ai acheté donc cette crème et après il y a un gel douche qui va avec, enfin qui est également vendu. C'est une huile de douche en fait, c'est même pas un gel douche, c'est une huile de douche et tout. Mais je déteste l'odeur, donc en fait l'odeur de l'huile en fait de douche. Mais j'aime bien l'odeur de cette crème. Alors, ça sent un peu du beurre, ça sent. En fait, c'est un mélange de beurre de karité et d'huile essentielle, genre de lavande et tout ça. Ouais, alors là, on a donc il y a du voilà, lavande et tonka, graines de tonka. Et puis, on a de l'huile d'amande, de l'huile d'argan, du beurre de cacao. Et il y a aussi du beurre de karité, mais ça sent tellement bon et j'aime tellement utiliser cette crème. Regardez d'ailleurs, là il n'y a plus. J'aime tellement utiliser cette crème la nuit après ma douche et tout. Voilà, c'est tellement relaxant et je dors comme un bébé. Après, c'est pas uniquement dû à cette crème, mais disons que j'ai mis en place une routine du soir pour bien dormir, mieux dormir, dormir. D'un sommeil réparateur et tout, et oh, j'aime tellement l'odeur de ce baume. C'est un soufflé, donc en fait, c'est très la texture est très légère, vraiment, vraiment très légère, mais ça hydrate tellement bien la peau. Le matin, ma peau est encore bien, bien hydratée, même après la douche et tout, genre, je me sens trop, trop bien. Avec
Et j'adore ce produit. Il est vendu sur Zalando à 9,99 €. Vraiment pas cher. Et il y a 30, enfin 300 ml dedans. Donc en fait, ça peut tenir au moins. Bon, si vous lavez 2 fois par jour comme moi, bah, ça peut aller très vite. Mais je l'utilise que la nuit en fait. Donc moi, ça m'a duré, je crois, 3 semaines, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment pas mal. Avec l'arrivée du soleil et du beau temps, les gars, je suis à fond dans les crèmes solaires. Et si vous me suivez, en fait, vous savez que je suis une grande fan des SPF de cheveux larges posés. Mais il y a 3 semaines, je crois, j'en avais plus pour le corps. Du coup, je suis passée à la pharmacie à côté de chez moi. Et ils n'en avaient pas non plus. Je pense qu'ils ont été dévalisés par les touristes. Du coup, j'ai dû trouver un produit pour me dépanner, en fait. Et j'avais tellement peur parce que franchement, avec la peau noire, trouver un SPF adapté n'est pas du tout facile parce que très souvent, ils laissent des traces blanches et tout. Enfin, ils sont un peu... Enfin, ça brille de mille feux. Enfin, c'est tout un problème. Et du coup, j'étais très très fidèle à mon La Roche-Posay, en fait. Et finalement, j'ai choisi ce produit-là, c'est le Vichy Capital Soleil SPF 50. C'est une brume hydratante invisible, effet fraîcheur, au toucher sec. Donc de chez Vichy qui se présente comme ceci. Donc j'ai pris ce produit, je me suis dit, bon, allez, je dépanne avec. Invisible, ok, anyway, on verra. Donc j'arrive à la maison et tout. Et en vrai, les gars, ce produit est juste extraordinaire. Franchement, il est parfait. Il ressemble en fait à celui que j'ai enfin, à celui que j'avais de chez La Roche-Posay. Sauf que cet effet fraîcheur est vraiment présent parce que quand on le... Bah, regardez. Là, par exemple. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais disons que là, vous voyez, et il suffit que je fasse ça. Et puis c'est bon. L'effet est vraiment, vraiment. Là, on dirait que je n'ai rien mis en vrai. C'est un effet sec. Mais la première sensation est tellement agréable. Cet effet un peu rafraîchissant est vraiment, vraiment agréable. Et ça ne laisse aucune trace. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Il est très très bien. En plus, il n'est pas très très grand. Donc, je le mets dans mon sac quand je sors. Entre midi et deux, en télétravail pour aller à la salle de sport. Voilà, partout sur le corps. Partout sur le corps et tout. Vraiment, je me noie d'SPF. Littéralement, à la fois sur le visage. Pas ce produit-là, mais j'ai un SPF pour le visage. Mais celui-ci, c'est un SPF pour le corps, bien entendu. Je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais... Il est juste, il est trop trop bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, côté cheveux, les gars, en plus, je vous ai déjà parlé de ce masque. C'est le masque Power Green Reconstructor au Moringa et Avocat de chez Moisture. Il se présente comme ceci. Et là, je vous l'ai présenté en plus dans une vidéo. Je vous mettrai le lien par là ou par ici. Enfin, je sais pas, je verrai au montage. Mais ce masque est juste extraordinaire. C'est pas, en fait, c'est pas pour, ce n'est pas pour rien que j'ai dédié une vidéo entière à ce masque, en fait, parce que il est juste extraordinaire. Les cheveux sont hydratés, protégés, renforcés, vraiment. On dirait un tout en un. Moi, c'est l'effet que ça me fait. C'est vraiment un tout en un. Et j'ai vu des nanas sur Internet l'utiliser comme leave-in. Donc, j'ai un petit peu peur. J'ai peur de l'utiliser comme leave-in parce que j'ai souvent, quand on utilise un masque ou un après-shampoing comme leave-in, ça laisse des résidus blancs. Pour ma part, ça me laisse souvent des résidus blancs. Mais franchement, j'ai envie de tester. Parce que il est très très liquide, très liquide, très léger. Vous voyez, voilà.
Il est très liquide, très léger, mais affreusement, enfin affreusement, très hydratant. Vraiment très très hydratant. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense que est-ce que je l'ai racheté? Non, je l'ai pas encore acheté, mais je vais le racheter avant même qu'il se finisse en fait, parce que j'ai peur en fait que qu'il j'ai peur, j'ai juste peur de ne plus en trouver sur le marché. Ça me donne des cauchemars la nuit. Ouais, à ce point-là. C'est bon, vous savez que je suis une drama queen maintenant, mais vraiment, j'adore ce masque. Je vous le recommande à 100%. Côté mode, j'ai d'abord cette paire d'espadrilles que j'ai maintenant depuis 2 ans, je crois. C'est des espadrilles en fait de cheveux castagnères que j'aime énormément. Ouh là là! Que j'aime énormément. Oh, zut, je voulais pas me les. Ah, bon, ça va, je me suis pas salie. Que j'aime énormément et ça fait la deuxième année. Ça va faire la deuxième année que je les ressors et tout. Et j'adore. J'adore parce que vous voyez, elles sont dotées d'un petit talon et tout. Je crois que ça c'est 6 cm de talon. Voilà un talon vraiment confortable. La couleur vraiment passe-partout qui va avec tout, vraiment. Et surtout le confort, les gars. Le confort, je peux les mettre toute la journée pour aller au bureau, pour me promener vraiment les jours où je sais que j'ai envie d'être à. Les jours où je sais que je vais beaucoup marcher, mais j'ai envie d'être un petit peu plus féminine et tout ça, eh bien, voilà. Elles sont extra. Je pense que je les ai achetées sur Vipi il y a 2 ans pour à moins de 30 euros, je crois. Ensuite, on a ces lunettes de soleil de chez Le Spex que j'ai depuis, je crois, 2 ou 3 ans maintenant. Que j'avais. Je pense que je les ai pas trop trop portées ces 2 dernières années. Mais là, avec l'arrivée du soleil et tout, les gars, je les porte tout le temps. Je crois que j'ai 3 lunettes de soleil. Mais ce sont mes préférées en vrai. Parce que, je sais pas, elles ont ce petit truc-là et tout. Regardez. Elles ont ce petit truc, ce je ne sais quoi. Je les ai amenées avec moi en Espagne, même à mon retour. Là, je les porte tout le temps. Le matin, le soir, partout, partout. Dès que je mets le pied dehors, en fait, je les porte. Et je les aime beaucoup. Je pense. Alors, c'est quoi le modèle? Ah oui, je crois que le modèle est là. C'est Bravado 200. J'aime trop cette paire de lunettes. Oh là là. Je les ai achetées sur Zalando. Je ne me rappelle plus à combien. Vraiment, c'était il y a 2 ans et quelques. J'essaierai de vous les retrouver si elles vous intéressent et tout ça. Alors pour finir, la robe que je porte, qui est la robe Atlanta de chez Sleeper. Si vous me suivez, vous savez que je suis fan de cette robe. L'été dernier, je l'avais achetée en orange. Et là, pendant les soldes d'hiver, j'ai acheté ce coloris-là. Et franchement, j'adore la coupe qui est très très flatteuse. Au-delà de ça, c'est une robe 100% lin, donc hyper confortable, hyper respirante et idéale vraiment pour les fortes chaleurs qu'on a en ce moment, pour l'été vraiment. J'adore les manches bouffantes. En fait, je vous ai déjà présenté cette robe dans deux de mes hauls au final. J'essaierai de vous retrouver le dernier haul dans lequel je vous ai présenté ce modèle. Sinon, voilà, je la porte pour traîner à la maison, pour télétravailler, pour aller faire les courses et tout, pour me promener un peu. Je ne l'ai pas encore portée pour aller au bureau parce que, avec ma poitrine généreuse, elle est trop. En fait, je trouve que c'est trop en fait. Le décolleté est vraiment est trop pour le bureau. Sinon, vraiment, c'est une robe très très confortable que j'aime beaucoup.